Vivez l'aventure du Mammouth Express avec Euro 4x4 Parts. On a eu très froid ce matin sur la liaison, il y avait 27 km de liaison. Tous les motards là, on a eu très froid, ce matin on se réchauffait un peu les mains sur le pot d'échappement. Et là on est parti donc pour la plus grosse spéciale. Voilà, on croise les doigts. À ce soir. Nous sommes sur la troisième étape qui aujourd'hui fera 350 km en spécial. Avec une particularité du rallye, c'est qu'aujourd'hui ils ont un vrai roadbook. Jusqu'à maintenant c'était des points GPS sur leur ordinateur, leur GPS, mais aujourd'hui c'est un vrai roadbook. Donc on va voir un petit peu comment se comportent les jeunes copilotes surtout, qui n'étaient pas très habitués au papier. Aujourd'hui on a un vrai roadbook, sachant que pour ceux qui ont moins l'habitude, ils ont quand même la possibilité de garder la trace GPS. Donc la trace GPS va quand même nous permettre de valider notre parcours. Et je pense que ça va être une spéciale rapide, très caillouteuse, où il va falloir faire attention et ménager la mécanique jusqu'à l'arrivée. Donc à suivre, et dans un beau paysage avec un superbe temps, donc ça devrait être plutôt pas mal. Les deux versions disponibles, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le roadbook classique avec les symboles. Benoît a fait la feuille habituelle, mais là c'est un peu un mix entre les deux. Je pense que ça va être pas mal. On garde le GPS pour nous donner les points, tous les dangers sont marqués dans le GPS, donc on peut pas se tromper, et en plus on va être précis parce que tous les dangers sont marqués correctement, les bosses, les trous, voilà. Donc ça devrait être sympa. Ça va être une étape très longue, on va ménager les machines, moi je vais rouler à mon rythme, préserver la machine, préserver le bonhomme aussi, et donc voilà, on verra ce soir, on verra, il reste encore 2 jours, donc faut pas trop attaquer. Je trouve que plus les années passent là, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de rouler avec leur mari, ou des maris ont envie de rouler avec leur femme. De partager voilà, ce plaisir, cette passion. On dit qu'il y a beaucoup de femmes, on n'est pas nombreuses quand même. Hein. Voilà. Il faudrait que ce soit équitable, 50-50. Voilà, comme tout. C'est cool d'être la seule fille, au moins ça, il y en a une qui participe, et puis si j'ai un souci, il y a tout le monde qui est là pour m'aider. Des filles sur le rallye, il y en a un peu, ça vient petit à petit, voilà, pilote, copilote. Je pense qu'on a de quoi faire. Il faut prendre confiance en nous. Allez les girls! احنا هنايا كنديروا التغطية إعلامية للرالي محميد إكسبريس الدورة 11، كنديروا ملخصات يومية على الرالي، وهذا الفريق المكلف بالجانب السمعي البصري للرالي هو فريق مغربي مكون من 2 مصورين وواحد في المونتاج والإخراج، والهدف من هذا التصوير نديروا ملخصات يومية
اللي كتكون عبر القناة يوتيوب اللي تابعة للرالي محميد إكسبرس. Marathon, mais ça va, pas trop de plage. Là, ils font une petite arrêt avec une petite salade de riz et un peu de côtelettes. Et tout le monde a l'air content. Donc, pour l'instant, alhamdoulilah, on n'a pas de vent de sable. Donc, belle journée. Ça va être bon, ça va faire du bien. Manger un morceau, ça va faire du bien. We'll be right back.
La spéciale était assez rapide, on est parti sur un bon rythme. Et puis au kilomètre 250, on a eu un petit problème avec notre... on ne sait pas si c'est la transmission, l'embrayage, on a quelque chose qui patine dans la voiture. Ce qui fait que la voiture ne prend les tours mais ne motrice pas, donc je sais pas. Donc on a fini tranquillement sur la réserve, les 100 derniers kilomètres depuis la neutralisation, en espérant pouvoir relier l'arrivée. Voilà. On a roulé tout ce qu'on a pu aujourd'hui. On manque de vitesse de pointe, vu que c'était une spéciale hyper hyper rapide, on n'a pas vraiment pu faire la différence sur le rapide, donc on a essayé d'aller sur le technique. On a été chercher toutes les pistes les plus roulantes, on a bien été chercher au maximum pour rouler au mieux. Voilà, là on attend un peu les autres, je pense qu'on a fait quelque chose de pas mal. On a encore 30 minutes à rattraper au général, donc on a poussé aujourd'hui. الراليتي نفع البلاد موالين لوطيلات والحوانت موالين انستالاسيونات والناس اللي جايين معاهم تيعاونوا الناس تيكونوا الطباء وشحال من واحد عطاوه الدواء الله يجازيهم بخير. À 87 km de l'arrivée, on casse un cardan à l'avant et bon, forcément on perd quelques minutes et je pense qu'on perd la première place également puisque malheureusement ceux qui étaient derrière nous, qui étaient second, vont certainement repasser en première place ce soir. Euro 4x4 Parts est heureux de soutenir le Mamid Express.